Voici un message de Santé Canada. J'ai trouvé que cette pub, mais Santé pas Canada. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cul de pute? Pourquoi tu fumes dans l'auto? Parce que si je fume en dehors de l'auto, m'engrocher un lampadaire avec ma tête, OK? Mais c'est pas bon pour moi de respirer la fumée secondaire. Inquiète-toi donc pas, tu viens juste de commencer le primaire. Mon ami Gabriel, il dit que la cigarette, c'est mortel. Mais non, il devait vouloir dire autre chose. Hein? C'est bien que ton ami Gabriel a tellement de broches dans la gueule que les trois quarts des mots qu'il dit restent pris dedans. Mais la cigarette donne le cancer, ils l'ont dit à la télévision. Puis qu'est-ce qu'elle a répondu, la télévision? Je sais pas. Ah, ben tu parleras quand tu sauras quelque chose, OK? Papa, tu tousses sans arrêt. Mais compte-toi, Jean-Sue, si je toussais avec l'arrêt, je pense pas que t'aimerais bien ça. Quand on fume, on nuit aux gens autour de soi. Oui, mais c'est pas un tour de soi qu'on fait, c'est un tour de chat. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Parce que ça me tente pas de commencer à répondre. Tu me charges-tu de Chris à la question? Pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? Papa, ça sent la cigarette, ça pue. Ben, baisse ta vite. Oui, mais Ginal l'a fumé quand même. Ben, baisse ta vite, ferme ta gueule. Papa, est-ce que tu m'aimes? Tu parles d'une question? Ben oui. Ben là, je... Oui, parle-moi donc d'une réponse. Mais bien sûr que je t'aime. Mais pourquoi tu... Bon, s'achèves-tu le questionnaire de cette caisse? Pas long, il reste une page. Papa, crois-tu que tu vas mourir? Oh, mourir de ça ou bien d'autre chose. La maladie de autre chose consiste à se prendre pour un autre puis pas valoir grand chose. Pour plus de renseignements sur le syndrome de autre chose, faites le www.autrechose.com.